Salut à tous et ravi de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser la caméra de notre téléphone sur notre ordinateur. Comment par exemple utiliser la caméra du téléphone pour travailler sur son ordinateur avec. C'est très utile et vraiment très très pratique. Nous allons voir comment le faire dans cette vidéo, mais avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous y abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaine vidéo. Alors les amis, pour ce faire, on va utiliser un logiciel que l'on ne présente plus sur la chaîne. Le logiciel en question s'appelle Android. Donc c'est un logiciel qu'on a déjà vraiment fait beaucoup de vidéos dessus sur la chaîne. Donc le logiciel, vous devez l'installer sur votre ordinateur comme ceci. Moi je l'ai déjà installé. Vous devez l'installer et connecter cela à votre téléphone. Et pour pouvoir connecter cela à son téléphone, qu'est-ce qu'il faut? Il faut également installer la même version, donc installer en fait Android dessus son téléphone et connecter les deux par le biais d'un compte. Donc connectez votre compte Android sur votre PC. Donc vous connectez en fait sur le même compte sur votre PC et sur votre ordinateur. Donc associez les deux applications sur le même compte et utilisez le même Wi-Fi. Donc après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut simplement aller sur cet onglet-ci, contrôle la distance, et arriver là, vous allez voir les différents appareils, vos différents appareils à vous. Vous cliquez dessus, vous venez au niveau de accéder à l'appareil photo. Donc là, je m'en vais sur mon téléphone. Vous allez voir, ça va prendre quelques instants pour se connecter et c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai accès à mon téléphone. J'ai accès à la caméra de mon téléphone. Là, c'est ma machine. Là, c'est mon téléphone. Je peux retourner cela, je peux retourner, ok. Donc là, je retourne, je crois j'ai mal retourné, ok. Donc là, vous voyez, je retourne, voici ma caméra en question. Je peux par exemple changer, prendre la caméra frontale, je peux allumer la torche, donc je peux effectuer plusieurs commandes sur mon téléphone. Et je peux venir ici dans plus pour avoir accès à plus de fonctions, par exemple lancer l'enregistrement. Si je clique à ce niveau-ci, ça va lancer un enregistrement. Ensuite, lorsque je termine, je peux venir là et je clique dessus. Ça termine l'enregistrement. Maintenant, si je veux avoir accès à ce qui a été enregistré, je clique simplement ici. Je passe sur tout afficher et ça affichera la vidéo qui a été enregistrée. Donc, vous voyez, c'est vraiment très pratique de pouvoir utiliser sa caméra sur son téléphone. Si vous voulez, par exemple, utiliser la caméra de votre téléphone pour pouvoir, je ne sais pas, lancer les directs ou bien effectuer les appels sur votre ordinateur avec, donc en fait, connecter la caméra comme webcam sur votre téléphone. On avait fait une autre vidéo dessus. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite, je ne sais pas. Donc, sûrement, vous voyez mon ombre à l'écran. Donc, un lien va apparaître là, comme j'ai dit, pour vous rendre sur la vidéo qui vous montre comment utiliser la caméra de son téléphone comme webcam. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo concernant Android. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher moi un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo qu'on a fait sur la chaîne. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.